Bonjour et bienvenue sur la Dubs TV, on se retrouve pour ce 10e épisode de Craft the World. Et comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé le charbon qui me manquait. Là il y en a plein, on va essayer de le récupérer. C'est un peu bazar au niveau des mines, hein. C'est un peu beaucoup bazar. Là j'ai tous les moutons, je pense que je peux, lesquels je peux récupérer de la laine, même si je pense que je n'ai plus vraiment besoin pour le moment. Pas d'urgence, mais bon, on va prendre de l'avance au cas où vraiment il y en ait besoin. Ce qui me manque là surtout, c'est le charbon. Alors là effectivement j'ai un gros filon, on va t'aider. Je sais pas par où il passe pour retourner à la maison. On va passer par là, je crois. Ce serait pas idiot. Voilà. On va faire un chemin. On va leur mettre un portail, je pense, parce que sinon ils vont pas avancer des masses. En même temps, il y a l'arrivée du train ici qui est pas loin, donc normalement ils doivent pouvoir faire des allers-retours jusqu'à la réserve qui est là. D'ailleurs, en parlant de réserve, c'est ça que je voulais faire. Ok, il manque un drapeau. On va le faire, et là je peux en faire une deuxième. Voilà, super. Alors, du coup, on va en mettre une ici. Et on va en mettre une de l'autre côté. Là, c'est pas très bien installé. Ça me plaît pas les masses. On va allumer. La Dimitri, on va la récupérer. Ouais. Il y a plein de choses à récupérer ici. Oula, plein de nitrides là, plein d'araignées aussi, accessoirement. On arrive vraiment tout en bas au niveau des dragons. On va pas les embêter, je pense, les dragons. Pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de les embêter. Les réserves, elles sont là. J'aurais bien aimé poser la dernière. Faudrait, on va essayer de collecter l'eau ici. Ok, encore du nitrile. Voilà. Ok. Pourquoi j'ai rebouché ça? Peut-être juste poser la réserve ici. Ouais, non. Faut que je bouche. On va mettre de la pierre. Ici. Voilà.
Alors, ici, ils ont récupéré tout le charbon. Les nageurs, on s'en fiche. Donc, on peut refaire du lingot. On va tout faire. On va tout faire, on va tout faire. Et puis, le temps de finir de les équiper et on va s'occuper encore un livre de meunier, super. On va éclairer. Nickel encore du pardon c'est pas de nickel. Alors yes voilà ma réserve va être posée des pierres précieuses voilà récupérer au niveau des lingots 10 ah, il manquait quoi des casques ou des bottes je ne sais plus. Un peu les deux, un casque, toi non, deux casques, trois casques, toi non, quatre casques, lui il faut un peu tout, casque, bottes, encore casque, surtout des casques en fait. Je vais en faire trois, je vais manquer de lingots d'acier aussi. Ok. Toujours un manque de charbon. Okay, c'est plus de lampe, c'est pas grave. Ok, au niveau de la bouffe, bah ils ont plus rien, super. Ça, ah, j'ai plus de charbon. plus de charbon, plus de charbon. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire sans charbon? La salade? Oui. Voilà. La bière. Ok, je manque de bois. Je manque de bois. Je manque de bois, je manque de bois. On va récupérer tout ça. On va essayer de se faire un truc. On va faire le sort. Voilà. Je suis pas vraiment dans le placement où je peux lancer des sorts de. Des sorts de croissance comme ça. On essaie de se faire un petit espace. On va creuser comme ça aussi. On va remplacer les blocs à l'arrière, là aussi.
Et je devais avoir une porte. Une porte en acier. Donc une serrure. On va faire deux. Là. Faut de la terre. Ah yes, ça. J'ai fini l'ingénierie. Super. Ah ben voilà. Enfin, je peux faire le travail du mitril avec les haches et les pioches. Surtout que je fasse du lingot. Mais pour ça, je vais encore avoir un manque, un gros manque de charbon. I think. On va construire des blocs ici. Il met vraiment trois plombs là, je sais pas ce qu'il fiche. Alors, voyons voir. Bloc de mitril. Ah oui. Charbon. Manque de charbon. Mais gros gros manque là. Il va falloir plein. Alors, je retrouve une veine, une grosse veine de charbon quelque part. C'est fâcheux. Là, je crois qu'il y en a. On va creuser comme ça. On va faire toute la longueur. Généralement, le charbon, c'est pas très haut. Ça me permettra de voir un peu plus déjà ce qu'il y a. Alors, on va finir d'équiper tout ça. On va mettre la porte. Porte en acier. On va la mettre ici. Et j'avais une porte en fer. On va mettre ici. Voilà, là on va mettre de la terre. On va enlever ça. On va enlever ça. Voilà, et normalement là. Plus d'espace libre, d'accord. Allez, à l'assaut. Alors, au niveau de notre équipement, un casque de la scie, on peut passer à l'argent. Toi, oui, ça tend. Et toi, on va manquer deux casques en acier ou en argent.
Ok, je vois la dalle. Salade. Voilà. Le livre de nageur, on s'en fiche un peu, mais il reste du charbon. Là aussi, je crois. Là, ça donne accès à un donjon. A priori, j'ai déjà visité, donc rien de grave. Du fer. Je pensais que je trouverais un peu plus de charbon. S'il y en a par là. Il y en a par là. Ok, plus grand chose par là à trouver. On arrive au bout. Ok, donc charbon, pour l'instant, ça reste limité. Ah, mais voilà, j'ai du bois. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est peut-être parce que ça a déjà poussé. Alors, charbon, j'en suis au 21. Ok, donc du coup. On peut faire c'est parti. Ah voilà, là, ça marche. Ok, maintenant qu'on a du bois, on peut faire des tonneaux. Et du coup, on peut faire de la bière. Ça c'est cool. Pour la prochaine attaque, je pense qu'on sera large. On peut faire hache en mitril, pioche en mitril. On va attendre un peu. Non, on va peut-être pas attendre d'ailleurs parce que ça va me donner accès
H. Alors, de l'argent et du nitril. On va faire deux. Et on va faire deux pioches. Voilà. Non, ça va me finir le travail du nitril et du coup. Je vais avoir accès aux armures. Aux armures et à l'épée surtout. Et du coup, on va compléter, au lieu de compléter avec du minerai d'or, ceux qui sont pas très très bien équipés, on va changer le guerrier. Le guerrier, ceux qui sont équipés en or en mitril, et l'or passera aux autres. Comme ça, ça économise aussi des ressources. Pour le minerai, je manque toujours de charbon. Au minerai, j'en ai combien? 49. J'en ai quand même pas mal, mine de rien. J'en ai quand même pas mal. Voilà. Et du coup, j'ai accès aux armures et aux armes. Donc, arc lourd. J'ai qu'un chasseur, non. Je dois que d'en faire un seul. Est-ce que je pourrais pas acheter du charbon, là? Ah, c'est deux. Acheter plein. Voilà. Tant qu'on a les petits diablotins, ça me déverrouille un succès en plus. C'est cool. Parce que là, niveau charbon, on n'avait pas trouvé grand chose. Si on avait trouvé un petit peu par là, je crois. Ouais, il n'y a vraiment pas grand chose. Là, il y en a. Il y en a un peu. On va repérer le fer. Il y a un petit peu de charbon ici. Et de l'autre côté, c'est pareil, il n'y avait plus grand chose. Si on avait là. Je sais pas pourquoi j'y avais pas. J'avais plus accès. Ok, là ça va être compliqué d'aller l'attraper. Épée en mitrille. Ça. Je vais en faire qu'une ou deux, je pense, ça suffira. Au niveau de l'équipement, un charpentier. Il me faudrait, ou plutôt bûcheron. Chasseur. Voilà, arc lourd. Nageur meunier, cuisinier grimpeur, forgeron. Pêcheur cuisinier, forgeron nageur mineur. Tiens, belle pioche en mitril, charpentier bûcheron, une belle hache en mitril, et du coup, forgeron va donner une hache aussi. Et forgeron mage, on va donner la pioche. Pioche en fer, pioche en acier. Ok, là je peux faire un bâton aussi, mais. Bâton pour le mage. Ah, il me faut encore du nitril. Alors, voilà, je peux tout faire, super. C'est parti. Là, du charbon. C'est compliqué, compliqué là le charbon. Hein. Bon, j'ai plus de. J'ai plus d'échafaudage. En même temps, ils m'ont pas tout ramassé là. Allez, bien. Je vais chercher le charbon. Récupérer le bois en même temps. Ouais, venir récupérer le bois. Ok,
Ok, là on a tout. Bon, il nous reste un ici. Là, je peux récupérer ça. Où ils vont? On va faire creuser comme ça. On va leur faire poser. Compliqué là, c'est un peu long, c'est pas la partie la plus intéressante. On va essayer de vider le bassin ici. Ça va embêter plus qu'autre chose. Ok. Attaque imminente. Groupir. Là, on va fermer les portes. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Tranquille. Tranquille. Oh, t'énerve pas. Charpentier. Alors. On va pouvoir fabriquer l'épée en mithril. On va faire une, ça suffit. J'ai qu'un guerrier en même temps. J'ai qu'un guerrier. Marteau en mithril. Ça me coûte un peu moins cher en mithril aussi. Un peu d'argent. Faire deux. Je voulais faire voilà le bâton pour le mage. Cristal noir.
cristal violet. Voilà. Ça c'est cool. Et enfin, haha, plastron. Et là, ouais, effectivement, il va falloir un masse. Faire des bottes. Et je vais manquer de nitrine. Parce que je n'ai plus de nitrine. Ok, là il y a un filon. Va se faire des lampes. Et puis on va aller s'occuper des boss, surtout. Je crois que maintenant il est temps. L'argent qui est là, de l'or. L'échafaudage d'ici. Ici. Ok. Alors, mon guerrier, hypermétrie. Mon mage, bâton de métrie. Et j'ai trois marteaux. L'épée en argent, tu vas prendre l'épée en or. Il me reste plus qu'à faire les armures. Deux, trois armures et ce sera bien. On sera bien. On sera bien. Alors, j'ai de quoi déjà en faire au moins une ou deux, je pense. Ok, de l'or. Charbon. Je pourrais faire qu'une. Il manque des lingots d'or. Ah, j'ai plus d'or. Ok. C'est très très coûteux, hein, mine de rien. Je pensais pas que c'était aussi coûteux que ça, mais. Ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher
en ressources. Du coup, faut vraiment bien tout fouiller. Au niveau. Enfin, je vais pas trop en manquer, je pense. Là, par là, j'ai plus d'or. J'ai pas d'or. Ok. On va continuer à creuser par là. On va trouver du maîtrise là. Là, tout ce qui vient mine de là. Alors, on va faire poser. On va faire poser les échelles plutôt. Ok, on trouve du minerai. Toujours pas du minerai, des pierres précieuses. Là, on va récupérer du mithril. Et là, on va arriver au bout de la map. Ok. Ok. Alors, armure, du coup. Ok, je l'ai. Mettre ça au guerrier. Yes. Et puis, on va vérifier l'état des nains. Il fait partie des moins bien équipés. C'est mon mineur, donc faut que je le protège, j'aimerais pas le perdre. Bottom trill. On a des guerriers quand même. Voilà. Du coup tu vas prendre des bottes en or. Ok. Bouton maîtrise, je peux faire 6. Faire 4 déjà. Casque. Faire 1. Voilà. Un mini, super. Je m'en fiche. Ah, là, il y a du maîtrise aussi. Ok, bon, on aura tout fait, à part la maîtrise de l'alchimie, flèche de glace, élixir de métamorphose. C'est vrai que j'ai pas trop fait de ça. C'est vrai que l'élixir, je m'en fiche. Ah, bon, y a que ça que je peux fabriquer qui me rapporte de l'XP. Je vais voir si je peux refaire quand même. Ah, j'ai pas pu avoir le détail. Ok, il me faut du verre. Allez. Ah ouais, ça consomme gras de charbon. Je vais oublier ce détail. On va récupérer les compos ici. Et puis, je sais pas si on va pas laisser libérer le portail. On fera au dernier moment, on va y faire les autres.
De ce côté-là, il n'y a plus grand-chose. Ok, là, il y a un petit donjon. On va commencer à ouvrir. Alors, au niveau de l'équipement... Ok, casque. Voilà. Lui, il est à fond. Donc, guerrier, il n'est pas hyper... pas très très fort, mais bon. C'est pas grave. Il est tout en or. Ça, c'est un archer. Lui aussi. Alors, lui, il est en acier. Donc, on peut peut-être passer... Ah oui, c'est le mage, donc c'est normal. Voilà, le casque en or. Toi, t'es tout en argent. On continue d'accéder. J'aime bien. Autométril. Toi, t'es en or. Autométril. Ok. Des plastrons, je vais plus pouvoir en faire, je crois. Voilà, je manque de trop de choses. Ok. Donc, comme l'attaque est dans longtemps, on va en profiter, on va y aller. On va aller se faire un boss. Il y a lui. Lui. Il y en avait un par là. Ok, ici. On va essayer d'amener les nains ici. On va essayer d'arriver à sa hauteur. Ah, mais il y a Dimitri en plus. Une pierre de coups. Ah, j'avais déjà un portail. N'importe quoi. Oh, il y a plein de vitrines. Ça, c'est chouette. On va devoir en avoir marre de bouffer de la salade. On va voir si je peux faire autre chose. Ouais. Je manque de charbon toujours. Yes, tu es utile. Stop là, c'est bon les gars. Ok. Ok, ce côté-là c'est fait. On va essayer de les regrouper. Je ne sais pas où est le donjon que je voulais faire. Là. On va faire un appel. Ok.
Je pensais qu'elle serait plus courte pour lui, mais non. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, dépêche-toi. Et tout le monde est là, quasiment. Ouais, c'est parti. Alors, en plus. Allez. Ouais, ok. Ça passe quand même beaucoup plus facilement. On récupère le trésor. Voilà, une partie du portail. On va démonter le donjon. Là-dedans il y a des pierres aussi. Yes, voilà le mage. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Élixir de métamorphose. Qu'est-ce que c'est? Ça peut transformer plusieurs monstres en escargots. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Charpentier. Guerrier forgeron. Ah toi si t'es mineur. D'accord. Chasseur archer, nageur meunier, meunier. Mage. Voilà. Toujours un boss de plus, on récupère beaucoup de minerais. Et au niveau du nain, mais comment? Ils ont quasiment pas souffert. L'un ou deux. Pas trop posé. Merci. Ça va. Merci. Pas trop posé. Va dormir. Ok. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Partie de portail. Ok. Lingot d'or, j'en manquais. Donc il me faut de l'or. J'ai plus de charbon. Pff, quelle catastrophe. Toujours le même problème. Bon, en tout cas, on se sera fait un boss de plus plutôt facilement. J'espérais finir ce soir, mais ça me semble compliqué. Encore une fois, par le manque de charbon, la solution de facilité, ce serait d'en acheter. Pourquoi pas? Après tout, on a plein d'argent, on s'en sert pas. Je vais pas manquer de grand chose d'autre. On va appeler. Ah, j'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana. On va utiliser une potion. J'ai été un peu.
C'est vrai qu'il paye que je dois l'utiliser. J'étais un peu gaillard là sur la mana. On va refaire des potions aussi. Voilà. Voilà. Ah, mais on peut faire du charbon avec de la terre et du bois. Ah, mais je savais pas ça. Ah, bon, on va faire ça. Hein. Ok. Ça, c'est classe en fait. Mais voilà. Je le découvre un petit peu tard, vraiment. Tout dernier moment. Mais presque trop tard. Du coup, on va récupérer du bois. De la terre, je manque pas, hein, ça c'est clair. Et du coup, on va être bien. Et ça va m'éviter de dépenser des sous, même si au final, comme je disais, je vais pas les utiliser pour grand chose de plus. Mais on va pouvoir faire du lingot et deux, super. Ça va être juste mithril. On va tout faire. Voilà. Lingot d'or, il va falloir que je trouve un petit peu d'or parce que je vais avoir besoin de lingots pour la fabrication des portails, enfin des pièces de portail. Mais ça, l'or, je pense qu'il doit y en avoir qui traîne un peu par là. Je pense que j'ai pas bien tout fouillé. Voilà, il y en a là déjà. On va leur donner les ordres, pas oublier. Allez. Voilà, il y en a même ici. Voilà. Creuser ici. Pourquoi on peut pas y accéder là? Voilà. Un petit pont. On met ça. On va mettre un petit pont ici et là. Et puis voilà, on va être bon. Donc je finis de préparer ça. On va, au moins les ordres sont donnés. Il n'y aura plus qu'à aller tout récupérer. Faut que je récupère des échafaudages encore que j'ai semé à droite à gauche. Là. Encore de l'or. Et puis voilà, on a le temps de finir de préparer tout ça. On va pouvoir s'attaquer pour de vrai au boss. Faire une armure de plus. Heureusement que j'avais dit qu'il me fallait des lingots d'or. Mais bon, c'est pas grave. L'or, on a trouvé. Il faudrait que je pense à l'économiser. Enfin, au moins pour commencer à faire. Les éléments de portail et puis finir d'équiper un peu les nains. Mais je pense qu'au niveau des boss on devrait être bon. On a vu que ça passait largement, donc il n'y a pas de raison. On ira faire celui-là. Où est-ce qu'il en manque? Il nous reste un ici, deux donc là sur le portail, trois ici. Donc 3, et j'en ai déjà tué 2, donc a priori, le compte est bon. Le compte est bon, le compte est bon. Ben là, de l'or, il y en a plein. On va leur faire fabriquer. Et comme ça on pourra également accéder on pourra accéder au donjon. Voilà, bah écoutez, on se laisse là pour le moment et puis écoutez, on se dit à très très bientôt pour donc cette fois pour de vrai, en tout cas j'espère, le dernier épisode de Craft the World de cette saison 1, donc de ce premier niveau qui, je rappelle, est en mode facile.
pas très grand. Oui, je vous confirme que c'est pas très grand. Et puis on verra pour une prochaine saison si ça vous plaît et si vous en demandez. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.